Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. Je reviens juste de vacances là. Je me suis donc dit que je vais faire un Get Ready With Me où on peut un petit peu parler, un petit peu se dire nos choses. Que ce soit de la famille, enfin la famille de Tristan. Comme je me prépare, je me suis dit je vais faire un petit Get Ready With Me et parler un petit peu avec vous. Pour les nouvelles personnes, pensez à vous abonner. Franchement, ça ferait vraiment plaisir d'arriver aux 20K. Donc abonnez-vous si vous aimez mon contenu et le reste. Et pour les anciennes personnes, merci de toujours être autant à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant que je suis revenue de vacances, j'espère pouvoir poster beaucoup plus de vidéos. Donc là, la vidéo, évidemment, ça va être en placement de produits, cheveux. Parce que comme vous savez, je me marie l'année prochaine et j'ai besoin d'argent. Donc les placements me permettent de pouvoir mettre tout cet argent de côté pour avoir un joli mariage. Donc là, les mèches que je vais installer sur moi sont celles-ci. C'est une perruque qui m'a été envoyée. Elle est longue, hein. Ça va, hein. J'aime bien, c'est assez joli. Il manque juste un vapeau qu'il faut que j'aille chercher. Mais comme vous pouvez voir, la perruque, vraiment, elle est vraiment sympa. Je vais commencer à faire l'installation et en même temps, on peut parler. Il faut que j'enlève ça, là, cette partie. Donc, comme vous avez pu voir, j'étais à LA. Donc, toutes les personnes... Abonnez-vous sur ma chaîne parce qu'il y a énormément de vlogs qui vont arriver. Et là, c'est une ville de malade. Franchement, Los Angeles, je pense que c'est une ville à faire au moins une fois dans ta vie. C'est vraiment une ville de malade. Là-bas, il se passe énormément de choses. Je sais même pas comment l'expliquer. Bon, déjà, la perruque, elle se présente comme ça. Et de ce que je vois, ici, ça se resserre pas. Parce que moi, j'avais l'habitude de tirer ici pour pouvoir resserrer. Et là, c'est pas le cas. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Parce que moi, j'ai une petite tête. Donc les perruques comme ça, c'est un peu compliqué. Bon. Ça va le faire. Bon, je vais procéder à l'installation. Elle est assez longue quand même. Je crois que j'ai pris du 24 pouces. Vous voyez ou pas? Donc, comme je vous disais, moi, je suis allée à LA. Et j'y suis allée avec Raflo, Shanna, Rosalia, son copain... Et c'était cool quoi, donc de toute façon vous allez voir dans les vlogs. Comme je disais, Los Angeles c'est vraiment une ville de malade mentale. Il faut y aller, il faut vraiment y aller, il faut vraiment le faire. C'est vraiment une ville de malade, une ville à voir au moins une fois dans sa vie pour moi. C'est fou, je suis encore même un petit peu choquée. Mais j'ai adoré la ville, hein. Par contre j'ai vraiment adoré la ville. Il fait beau tous les jours et ça c'est le feu parce que moi bah, dès qu'il fait beau je me sens bien. Il fait vraiment beau tous les jours. Si la politique n'était pas aussi nulle, je pense aux États-Unis, ou si nous, noirs, on ne risquait pas de mourir pour un oui ou pour un non, je pense que je serais directement allée m'installer là-bas, parce que j'aime vraiment beaucoup cette ville. Il fait beau tous les jours, t'as pas besoin de manteau, t'as pas besoin de... Moi, c'est surtout ça, c'est que t'as pas besoin de manteau. Moi, je suis une fille tellement frileuse. Je suis rentrée en France, dis-vous, je suis tombée malade. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, là. Voilà, même chez moi, je suis obligée d'avoir... une chaleur au-dessus de la moyenne parce que sinon je me sens pas bien du tout. J'ai froid, si j'ai froid je peux pas dormir. Enfin voilà, pour Tristan lui c'est compliqué parce que bah il est pas comme moi quoi. Là je suis en train de couper la tulle, vous voyez cette partie là pour pouvoir l'installer. Ce qui est gênant c'est que j'ai décidé de faire ça avant de faire à manger, ce qui veut dire qu'après j'aurai toutes les odeurs sur moi, mais bon c'est pas grave. On a rencontré pas mal de personnes sympas là-bas. Mais je pense que vraiment Los Angeles, c'est une ville où tu vas pour, comment dire, si t'as envie de percer dans un domaine artistique. Parce que tous les gens qu'on a rencontrés là-bas vivent de l'acting, vivent de tout ça, vraiment. Donc, mais c'était sympa, c'était vraiment sympa. Le soir, t'as Hollywood si t'as envie que ça bouge. Mais, à la fin, par contre, on était quand même fatigués. Hein. Le pire, ce que tout le monde doit savoir, la nourriture. Oh là 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 là. Que des fast-food en permanence. Donc oui, comme je vous disais, les premiers jours, on a mangé que des fast-food. Parce que bah, c'est le moins cher là-bas. Si vraiment t'as envie de manger, bien, ça a l'air assez compliqué. Denise, hein, toi-même, tu sais, on a kiffé, frère. Là, je mets de la poudre dessus pour que la couleur, ce soit la couleur de ma peau, à peu près. Donc, mais à force, ça devenait un petit peu compliqué. Parce que moi, déjà qu'ici, à la base... Je mange pas énormément de fast-food, les légumes ça commence à me manquer. Quand tout le groupe est arrivé, en fait, à la fin, on a décidé de faire des courses. Mais faire des courses aux États-Unis, c'est assez compliqué. Les légumes coûtent cher, en gros, bien manger coûte cher. Franchement, c'est ça quoi, bien manger coûte cher. On voulait quand même tester tous les fast-food et tout, Popeye, etc. On s'est dit ça. Il y a la polémique du sandwich là, chez Popeye en ce moment, soi-disant le sandwich le meilleur.
Nous, on est parti à Popeye, il y en avait pris des ruptures de stock de partout. Et tous les gens qui venaient, ils étaient tellement dégoûtés de ne pas avoir le sandwich. C'était archi drôle. Carrément, nous, des fois, on nous adressait la parole parce qu'ils voyaient qu'on avait un truc Popeye. Donc, ils se disaient, oh, ils ont dû goûter le sandwich. Mais non, c'était en rupture de stock. Les gens, ils arrivaient, ils étaient dégoûtés. Parfois même, ils s'agressaient les caissières polyvalentes. Enfin, voilà, c'était un délire. C'était vraiment un délire. Je vais venir installer ça. Par contre, moi, je pense que les pinces ici, je vais les enlever. Je les laisse parce que je ne suis pas sûre de garder la pépée. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Mais les pinces là, en plus, moi, elles ne servent à rien vu que mes cheveux sont courts. Et du coup, moi, je ne mets pas de bonnet parce que mes cheveux sont courts. Et j'ai remarqué, les bonnets ici, ça me casse le cheveu. Donc, ma ligne là, elle n'était vraiment pas top top. Là, maintenant, elles sont en train de repousser. Vous voyez, ça repousse bien. Donc, je laisse un petit peu mes cheveux tranquilles. Alors, allons installer ça. J'appuie bien pour que ça prenne bien. Non, ça va. Elle a été bien taillée par contre. Ce qui est rare parce que normalement j'ai besoin de couper ici. En tout cas, tout ça pour vous dire que abonnez-vous sur ma chaîne parce qu'il y a plein de vlogs qui arrivent. Vous savez pas vous, hein, c'était un putain de voyage. Du coup, j'ai pas mal de vlogs à vous montrer. Notre vie là-bas, notre vie dans la villa, comment c'était. Mais ce qu'il y a de bien là-bas, c'est que les gens ils sont assez humbles par contre. Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui bombaient. Tu vois des gens, tu les rencontres, t'as l'impression qu'ils sont tous normaux, quoi, comme nous et tout. On échange des Instagram et tu sais, pendant la soirée, tu fais pas forcément gaffe. Mais après, quand tu rentres chez toi et que tu regardes l'Insta du gars, tu vois que le book il est certifié, tu vois que voilà, il y a quand même pas mal de comptes certifiés qui le suivent et tout, etc. Alors que devant toi, il était ultra humble. Ici en France, j'ai l'impression que les gens ils bombent pour rien. Après, c'est peut-être juste une impression, hein, mais. Franchement, les gens, ils bombent pour rien, quoi. Et ça, c'est un des trucs que j'ai grave kiffé là-bas. Pendant que ma pépée sèche, je vais mettre mon fond de teint. Hop, elle est bien collée. Je pense que je vais essayer de faire une raie. Je sais pas si je fais une raie ou si je laisse comme ça. J'aime bien de temps en temps laisser mes pépées comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai pas fait de baby hier. Mais bon, c'est pas choquant. Je mets de l'eau comme ça, les boucles elles restent quand je vais brosser. Non, elle est vraiment belle. Hein. Celle-ci, je la garde. Vous voyez, comme ça, quand je brosse, les boucles elles restent bien. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est des 24 pouces body wave. Franchement, j'aime bien. C'est la première fois que des body wave se voient autant sur une perruque que j'ai. Donc là, je suis prête. Dites-vous, j'ai fait tout ça pour aller faire à manger quand même. Hein. Donc j'espère que l'odeur va pas trop s'imprégner, mais ça va vite me saouler. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Et surtout, restez connectés sur ma chaîne parce que j'ai tous les autres vlogs de LA qui arrivent. Franchement, ça vaut le coup, c'était vraiment cool, on s'est éclaté. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.